Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer que si vous n'avez pas de Google Home, mais si vous avez un smartphone, un iPhone ou un smartphone Android, une tablette, aucun problème. Vous allez pouvoir installer l'application Assistant. Vous allez pouvoir donc installer l'application Assistant. Une fois que cette application sera installée, alors elle peut être installée sur toutes les plateformes. Une fois qu'elle sera installée, vous allez pouvoir gérer votre télé et vous servir de votre iPhone comme télécommande ainsi que de votre smartphone sous Android comme télécommande. Simplement pour balancer les vidéos YouTube, écouter par exemple vos musiques préférées, d'écouter les radios et c'est parti donc pour la démo. J'espère que la vidéo vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Plus besoin donc de Google Home avec votre smartphone et un Chromecast. Donc le Chromecast, je précise, est la clé HDMI que vous mettez à votre télé pour la rendre compatible. Ici, la télé est éteinte. On va donc ouvrir l'application Assistant. Assistant, ouvrez vos éléments et découvrir. Et sans problème, ici, je vais pouvoir lui demander. Ok Google, allume la télé. Activez le micro. Bouton. La télé vient de s'allumer. Sans problème. Maintenant, je vais lui demander. Regardez Vision High-Tech sur YouTube Salon. Ok, je mets Vision High-Tech à partir de YouTube sur Salon. Stop. Et là, instantanément, si je lui dis stop, la télé s'arrête. Maintenant, par exemple, je vais écouter un mix. Regardez Soprano sur YouTube Salon. D'accord, je mets un mix YouTube intitulé Soprano sur Salon. Tout est fait avec l'iPhone. Je ne touche à rien d'autre. C'est l'iPhone qui gère ma télé. Pause. L'iPhone m'écoute et la télé est en pause. Avancée de 30 secondes. Lecture. Maintenant, suite à la vidéo que j'ai fait dernièrement, on peut même lui demander. Regardez Audiolive sur YouTube Salon. Ok, je mets Audiolivre à partir de YouTube sur Salon. Prologue. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Alors comme vous avez pu voir, on a lancé le livre sans rien toucher, sans PC. J'ai lancé mon livre sur YouTube Salon. Si je veux passer à un livre suivant. Merci. Suivant. C'est celui-là. On voit bien que les radios se lancent. Écoutez Énergie sur Salon. Je mets Énergie Salon. À partir de TuneIn sur Salon. Pause. Ici, on gère tout ce qui est télé simplement avec son smartphone. Je peux par exemple écouter Chéri FM sur Salon. Je mets Chéri FM en streaming à partir de TuneIn sur Salon. Stop. Vous pouvez voir que ça répond au doigt et à l'œil. Écoutez Soprano sur Deezer Salon. D'accord. Je mets Soprano à partir de Deezer sur Salon. Stop. On peut, là aussi, si vous avez des ampoules connectées, sans problème, gérer avec votre iPhone. Ici, démonstration. Allume la lumière. Ok, j'allume la lumière, salon. Mets la lumière en bleu. Ok, je change la couleur pour la lumière, salon sur bleu. Mets la lumière en blanc.
bien. Je change la couleur pour la lumière salon sur blanc. Augmente la lumière à 100%. Compris. J'augmente la luminosité de la lumière salon de 100%. Voilà donc une petite démonstration comment vous pouvez gérer avec votre smartphone vos lumières, votre télé avec le Chromecast, donc YouTube, Deezer, la radio. C'est vraiment efficace. Votre smartphone dans la main, vous gérez votre maison en domotique. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Éteins la lumière. Ok, j'arrête la lumière, salut.